suis actuellement sur le terrain où tout un groupe de ce que la Maison Blanche appelle maintenant officiellement les morts vivants sont en train de faire ce que j'ai moi-même nommé un festin de cervelle. Je dois avouer que j'ai été mise en garde sur les risques que je prenais en venant ici et j'ai signé une décharge au cas où je serais dévorée par ces morts vivants devant la caméra. Je vais à présent essayer d'interviewer un de ces zombies en direct. Mais je reçois en ce moment la confirmation que le virus qui ravage toute l'humanité s'est en fait tout simplement répandu à cause d'un employé de restaurant qui ne se serait pas lavé les mains avant de préparer des sushis sans gants pour un groupe de SDF qu'il avait invité à venir manger suite à leur ruée sur la benne à ordures. Restaurant qui n'aurait pas passé à coup sûr sa prochaine inspection sanitaire. Excusez-moi, monsieur, où étiez-vous quand les événements ont débuté? Nous sommes en direct à leur page vulgarité. Merde! Sean, faut pas qu'on reste là! Viens! Même pour un mec mort, c'était idiot. Un hôpital. Pourquoi je suis venu traîner mes pieds de plomb ici? Y a pas de nourriture, pas de vivants. Dans les hôpitaux, tout le monde meurt et pourrit tout seul. Les vivants nous traitent comme des citoyens de seconde classe. Ils nous désignent par ce que nous considérons comme des insultes racistes. Les zombies, les marcheurs, les voyageurs et les traînes savates. On est les nouveaux roukas, sans âme et évités par tous. Oh, mes semblables. Merde, j'espérais vraiment rencontrer des cœurs battants. Ce pauvre gars n'a pas encore réactivé son langage. Je vais par là. Pote. Enfin, tu m'as compris. Et alors, cette là, j'en avais tous des autres. Oh merde. Moi, j'en avais une collection de la main. Bon, t'as deux solutions, mec. Un, tu fonces droit sur ces types en espérant qu'ils te ratent et tu pourras les bouffer. Deux, tu fais la connerie d'essayer de les raisonner. Vous voyez, petit à petit, nous retrouvons inexplicablement notre humanité. D'après sa façon de nous saluer, ce type n'est pas encore très avancé dans le processus. Choisis la première option, mon pote. Oh oh. Mal joué. Bien joué. Ça, c'est plus simple que l'informatique. Trop nombreux. Je vais sauter ce repas. Si t'aimes le C++, le HTML, c'est juste les bases. Je savais que c'était une mauvaise analogie quand j'ai dit ça. Allons-y. Ouais. La menace. T'as besoin de quelque chose? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dû disparaître brusquement. Tous les placards sont pleins. Manne-toi de prendre ce que tu veux, faut qu'on se tire. T'as du diabète? Non. T'as pas trouvé des... Non, y a pas de bouquin de cul. C'est un hôpital ici, pas une banque de sperme. Regarde bien, c'est important. J'ai toujours voulu pisser sur un de ces trucs. Bon, allez, faut qu'on se casse. Ouais. Vamonos! T'as trouvé des petites pilules bleues, Heisenberg? Non, et ne m'appelle pas comme ça. C'est super proche de ton prénom. Vivant ou mort? Parle français ou je t'explose la tête, fils de pute! Ça, c'est plus simple que l'informatique. L'informatique, c'est vraiment pas compliqué. Carl! Parle français ou je t'explose la tête, fils de pute! Baissez tout de suite vos armes. Ce serait beaucoup plus intimidant si t'avais un vrai flingue à la place de tes doigts, chef. Shérif! Oh merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Y'a un taré qui a fait un carton! Vous êtes resté endormi longtemps? Ah, c'est aussi désagréable que regarder le soleil en face. Bah alors pourquoi tu le regardes? C'est plus fort que moi. C'est comme un... Oh putain! Oh, on dirait deux vieux grains de raisin tout secs accrochés au bout d'une branche. Les bottes en premier? C'est intéressant. Et un trou du cul bien ouvert. Ouf,
On dirait que du monde est passé par là. Et je te parle pas de l'odeur. Oh, je sais pas si ces bottes sont à moi. C'est à cause du coma ou il a toujours eu un micro-pénis? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as été pris dans une fusillade? T'as pris une balle à la place d'un autre? La dernière chose dont je me souviens... Papa? Ouais. Regarde, papa. Ah, bien sûr, Chris. Je vais juste... Je vais aller me prendre un hot dog en attendant que ce soit ton tour, d'accord? Je vais faire un home run ring pour toi. Ouais, je compte sur toi. Je te fais confiance à 150%, Chris. Hot dog! Qui veut des hot dogs? Hot dog bien chaud! Bon, les mecs, venez là! Allez, file-moi un hot dog. Papa, c'est à moi! Ok, ouais, applique-toi, Chris. Un bon swing et après tu fonces. Les fondamentaux, toutes ces conneries, quoi. Premier essai! Ah ben, allez sur le tee, petit. Allez, Chris! Deuxième essai! Ajuste bien ton swing, elle est sur le tee. Frappe la balle sur le tee. Allez, Chris! Troisième essai! Chris, alors, Chris, tu la frappes, Chris, cette balle! C'est mon fils. Chris. Oh 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 T'es mort! Ce petit a l'air d'être un véritable boulet, sans vouloir te vexer. Le baseball, c'est pas trop... Oh. Ouais, c'est vraiment un boulet. Oh. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? C'est un peu dur à expliquer. Tant que ça? Non, c'est simple. On est juste en plein retour des morts vivants. Le monde est devenu complètement dingue. Le hashtag « Pourquoi je déteste les zombies » était le plus populaire de tous sur Twitter avant la fermeture d'Internet. C'est vrai. Est-ce qu'un zombie avec un t-shirt YOLO a quelque chose d'ironique? Hashtag « Merde, je sais pas quoi mettre ». Arrête de lire mes tweets, Jane. Les belles-mères sont vraiment des putes. Wow. T'es en train de me dire qu'il y a plus de Twitter? Ouais. Il y a plus de Hat Sheriff Lincoln officiel? Non. Instagram? Non. Pinterest? Ni Tumblr. LinkedIn? Ouais, LinkedIn fonctionne. Personne n'utilise ça. Bon, écoute, on s'est réfugié au centre commercial avec quelques autres personnes. On se démerde pour survivre, alors si tu veux venir... Il faut que je retrouve ma famille. Il n'y a plus beaucoup de monde en vie aujourd'hui. Ouais, et d'après ton histoire de baseball... Mais ma famille est en vie, ok. J'en suis sûr. Ma femme est une maligne. Et elle s'est toujours débrouillée toute seule à son boulot. C'est tout le mal que je te souhaite, inspecteur. Shérif. Inspecteur, shérif. Juste shérif. Juste shérif. Bon, on va ramener toutes ces provisions aux autres. Si jamais t'arrives à retrouver ta famille, on est là-bas, shérif. Écoute, j'avais l'intention de balancer cette saloperie, mais... Il pourrait peut-être bien te servir. J'espère que ton long sommeil t'a pas fait perdre tes facultés de tireur. Aujourd'hui, chaque putain de balle est précieuse. Ce rigolo-là, on a gaspillé plus que de raison. Merci. Rigolo. Green Bay. Green Bay. Chicago. C'est vos vrais noms, les mecs? C'est les noms de nos villes préférées. C'est des noms de pizza. Chicago. Brooklyn. Green Bay. Green Bay, c'est une pizza? Ouais, congelée. Ok, j'ai compris. Si jamais je croise cette grosse nympho de Margarita Carlson, je lui dis de vous rejoindre. C'était une blague. Ah. Est-ce que l'humour a aussi été tué dans votre apocalypse? Non, je crois qu'il vient de mourir. Il y a juste 5 secondes. Bonne chance à vous. Je suis impatient de voir ce que tu vas devenir. Trop louche, ce mec. Ouais, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Il a sûrement dû y avoir un peu de sang qui a coulé. Le centre commercial. Je suis capable d'y aller. Je trouverai peut-être quelques viennoiseries. Mais aussi des types qui voudront me faire sauter la cervelle. Je choisis les viennoiseries et la fille canon. Oh.
premier zombie que je vais tuer sera un enfant. Je suis pas un zombie. J'arrive pas à retrouver mes parents. C'est exactement ce qu'aurait dit un zombie. Vous avez pas vu ma fille? C'est... T'as voulu jouer au plus malin. Ces types sont entraînés pour ça. Tu veux dire qu'à l'école de police, ils ont ajouté une formation à la révolte des zombies avant que tout ça ne commence? Ils ont raison, parce qu'ils nous ont bien protégés. Putain, vous vous embrouillez beaucoup trop pour pouvoir finir ensemble comme tout le monde le pense. Je vais jeter un œil au générateur. J'espère que t'as rien taxé à personne pendant qu'on était partis, petite sœur. Oh non, bien sûr que non. Ton petit singe muet a juste essayé de me taxer des flèches. Hé, Chicago, m'a de voir sous l'oreiller. Je veux bien laisser tes putains de mains dans tes poches. Vous avez trouvé des trucs intéressants? Ouais, j'ai pensé que c'était juste une question de temps avant qu'une des nanas tombe enceinte. Je crois pas, non. Ma sœur a tout juste 14 ans, et en ce qui me concerne, je préfère me taper un zombie plutôt que l'un de vous. Hé, vous avez réfléchi un peu à cette histoire de ferme? Paraîtrait qu'il y aurait pas de zombies là-bas. Les endroits sûrs, ça existe pas. C'est des légendes. Il ne reste plus rien de pur dans ce monde. T'attends quoi pour aller voir tes générateurs? Ah ouais, ouais. T'as les boules à cause de ta Selena Gomez en carton, c'est ça? Il faisait nuit, j'étais tout seul et on aurait dit la vraie. Alors lâche-moi. Bon, écoutez, moi je pense qu'on devrait aller à cette ferme. Parce qu'ici, franchement... franchement, ici, ça craint. Et là-bas, il peut y avoir à bouffer. Moi, je serais plutôt favorable à un changement de décor. Si je suis venu là, c'était uniquement pour Rico. Alors, puisqu'il est mort, j'ai plus aucune raison de rester ici. Qu'est-ce que t'en penses, la chochotte? Ouais, pourquoi pas, je veux bien. Mais on bouge demain. Je suis fatigué et j'ai envie de dormir. Dis plutôt que tu veux passer une nuit de plus avec Selena. J'ai sorti de l'hôpital. C'est papa. Je vais bien, mon garçon. J'ai pas été mordu. Y'a personne. Zombie! Juste une chose pour te faire lâcher ce biberon, fiston. Juste une saloperie de zombie apocalypse. Papa, j'ai accompagné maman à son travail. On se cache là-bas. Je t'aime, tu nous manques, Chrissy. PS. Désolé pour ton coma, et j'ai été viré de l'équipe. Putain, faut que j'aille chier. Oh.
J'aimerais tellement pouvoir encore faire du vélo. Mais non, c'est pas possible avec mes pieds pourris. Salut les mecs. S'il vous plaît, ne me suivez pas. Vous allez griller mon plan. Merde, ils peuvent pas entendre mon monologue intérieur. Dégagez. Ils veulent juste prouver qu'ils changent en mieux. Mais aucune personne saine ne le verra sous cet angle. Pas tant qu'ils seront en troupeau. Non, non. Non, 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 non. Reculez, bordel. On va pas faire la fête. Arrêtez de me suivre, s'il vous plaît. Vous allez griller mon plan, putain. Coûte une boîte de conserve. Et la chambre champagne, c'est minimum un flingue. Et y a pas de sexe dans la chambre champagne. Ok, qu'est-ce que je te sers, connard? Wow! Papa? Garde! Quoi? Pose ton arme, putain. T'es vivant? Ouais, comme tu le vois, je suis en vie. Je suis en vie, Garde. Garde! Je suis désolé de t'avoir foutu dans le coma. C'est pas grave, mais la prochaine fois, essaie de mieux tenir ta batte. En fait, je me suis servi de cette batte pour tuer mon premier zombie. Tu te souviens de ma meuf, Kayla? Ta meuf? Je me souviens que tu jouais au docteur avec elle et tout ça, mais t'es pas allé y foutre les doigts ou autre chose. Elle a juste plus de tête. Tu sais, j'ai beaucoup grandi. Ouais, je vois ça. Je suis un petit taulier maintenant. Cet enfoiré de gérant était mort quand on a débarqué ici avec maman. Mais je me suis dit que les gens avaient toujours besoin de se distraire, alors on est resté ouvert. J'ai trouvé un groupe électrogène dans la réserve, du coup on a du courant maintenant. J'admets que c'est un peu crade, mais la cervelle, c'est une vraie galère à nettoyer. Ah, Carl, je dois reconnaître. C'est vraiment une putain de boîte. Tiens, regarde un peu la gonzesse à la barre, là-bas. On dirait qu'elle en passe pour moi. Je suis fier de toi, Carl. Ah, mais moi, c'est Chris. T'as oublié mon nom? Non, non, c'est à cause de ce coma, tu sais. Ça m'a un peu embrouillé les idées. Et ta mère, elle est... Oh, merde! Elle s'est transformée, elle aussi. Ça, pour s'être transformée, tu risques de pas la reconnaître. Tiens, regarde ça. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir sur la scène principale notre seule fille vivante. Wow. Fermez vos gueules. Va falloir vous le dire combien de fois. Ma sublime maman, Barbie. J'ai attendu ce moment toute la journée. Hé, hé, montre-nous tes dichants vivants. Hé, c'est ma femme. C'est la première fois que quelqu'un prononce ça ici. Ed, comment il faut te le dire, espèce de gros porc? Je veux que tu fermes ta putain de grande gueule de connard quand ma mère est sur scène, t'as compris? Surveille ton langage, Chris. Bébé, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup plus grave que des histoires de langage. Elle va nous le faire son show ou quoi, bordel? Ça fait des heures qu'on l'attend. Hé, 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 les mecs! Le show est annulé, ok? Alors maintenant, trouvez-vous un autre endroit pour gâcher votre vie. On a qu'à retourner au Winchester. Le happy hour est nettement moins merdique que dans cette putain de boîte forêt. Oh!
de Tornichon. On doit bien pouvoir faire quelque chose. S'il vous plaît, faites quelque chose. Non, non, je parlais pas de faire ça. Je parlais juste de lui couper le nichon. Personne voudra payer pour voir une gonzesse avec un seul nichon. Oh non, non. Non. Le monde est comme ça maintenant. Calme-toi, respire profondément. Je vais mettre une affiche pour trouver une autre fille bien roulée. C'est sur internet. Ah, au fait, j'oubliais, c'est ton Colt. Je voulais pas qu'un connard de docteur s'amuse à te le taxer pendant que t'étais dans le coma. Merci. Tu te débrouilles bien, dis donc. C'est marrant, hein. J'arrivais pas à frapper une balle avant l'apocalypse, et là, je mets une bastos entre les deux yeux de quelqu'un et les doigts dans le nez. Oh putain, je suis mort de rire. Bon, écoute. J'ai rencontré deux mecs à l'hôpital. Campe dans le centre commercial. Un type chauve et un petit nerveux qui tire comme une gonzesse, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ces mecs. Ils sont venus une fois et le mec chauve tripotait les seins de maman, alors je les ai foutus dehors. Ok. On va au centre commercial. Tu crois que la boîte va tourner toute seule? Je te rappelle que t'as 12 ans. Tu devrais même pas savoir que ce genre de boîte existe. Oh! Alors maintenant tu peux jouer au père? T'étais où quand j'avais besoin de toi? Hein? J'étais dans un putain de coma! Par ta faute! On va au centre commercial. Bon, on va tout charger dans ma caisse. Maintenant, je sais conduire. Et j'ai balancé mes papiers. Bon, un petit pour la route. Allons-y. Bon, ouvre bien l'œil. L'entrée de devant est sûre. Il y a juste quelques enfants zombies devant le magasin de peluche. Ah, oh, je l'adorais, mon ours en peluche. Il avait une cape et une casquette de baseball et je l'avais appelé Mini l'ourson parce qu'il était deux fois plus petit que les autres ours en peluche. Il était super adorable. Comment t'as pu survivre si longtemps? T'endors pas, laisse-moi dormir au moins 4 heures. T'en fais pas. Amuse-toi bien avec ton bouquin de cul. C'est un magazine sur la chasse, ça se voit pas. Il y a des cerfs morts, du sang, des chasseurs, des hameçons et tout un tas de bazar dans ce genre-là. Ouais, ouais, bien sûr, petite pute. Juste comme ça, je déteste ce surnom. Ouf, j'y suis presque. Oh, l'odeur d'Abercrombie. J'incendie ici, ça me fait mal au crâne alors que mon cerveau fonctionne à peine. Je voulais te demander si tu voulais être ma Valentine. Non, touche pas ça, touche pas. Non, non, arrête, arrête. Ah, je suis désolé. Je vais aller faire une ronde. Rendors-toi, je monte la garde. Ouais, rendors-toi. Non, n'écoute pas Brooklyn. Spring Breaker, c'est un super film. Même si j'aurais apprécié que tu nous montres un peu tes seins. Ça te choque. Mais je respecte ta pureté, ça n'empêche pas. J'ai hâte de pouvoir enfin avoir une conversation à cœur ouvert avec toi. Sans cette saloperie de vitre. Ça gâche tout le charme de l'instant. Et... j'étais sûr qu'avec Mister Chachot pour monter la garde, on aurait des problèmes. T'as rien vu pendant que tu nettoyais tes cochonneries? C'était pas de mon côté. Ça doit venir de l'autre entrée. Brooklyn, tu viens avec moi, on va s'occuper du devant. Les autres, occupez-vous de l'entrée sur le côté. Ah, sérieux, Harlem? Tu fais rien pour améliorer l'image des petites bourges dans ton genre. Hé! Tu crois que si elle dit rien, c'est juste pour se donner un genre? Tu veux me donner des leçons, toi? Non, pas du tout. Mais. Oh, 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 oh. Tu veux me donner des leçons, toi? Tout ce bordel avec les zombies était si traumatisant pour elle qu'elle en a perdu l'usage de la parole. Tu racontes n'importe non, quoi. Non, pas du tout. Je te signale que c'est pour elle que je dis ça. Une arrivée plus bruyante que je l'aurais voulu. Mais c'est pas facile d'ouvrir une porte coulissante quand on contrôle pas ses gestes. Espérant que je fais pas une connerie. Faut juste avoir confiance en soi. Les filles aiment les mecs sur deux. Mais tout bien réfléchi, je crois que je vais rester en retrait. Bien, bien en retrait. Héros.
Oh bon. Les mecs, elle est à moi. Oh merde. Merci, c'est super gentil. Non! Qu'est-ce qui te prend? Il m'a sauvé la vie. Il t'a sauvé? T'es pas sérieuse, il t'a mordu? Non, connard, et maintenant baisse ton arme. Alors si j'ai bien compris, toi, le putain de zombie, t'as sauvé la vie de ton repas comme si t'étais un zombie végétarien? Comment tu t'appelles, Roméo? Roméo. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Comment tu t'appelles? Roméo. Romero? Il a dit Roméo. C'est trop romantique et tellement chevaleresque. Mais l'amour non réciproque et superficiel que tu me portes a totalement pris le dessus sur l'instinct naturel qui t'a permis de rester en vie. Tout le monde va bien? C'est qui celui-là avec sa tronche à sortir de Twilight? C'est Roméo. Il m'a sauvé la vie et il reste avec nous. Non, pas question, c'est un zombie. Non, réfléchissez un peu. S'il se transforme, ils sont peut-être tous comme lui. Il peut réussir à les convaincre de rien nous faire le temps qu'il redevienne humain et que je profite de ce qu'il a à offrir dans Sanchi. Tu veux qu'on prenne le risque de le garder avec nous parce que t'es en chaleur, c'est ça? Ouais, absolument. On peut lui exploser sa petite mâchoire de zombie, comme ça il pourra plus nous mordre. Ah, c'est une bonne idée, ça. On peut aussi lui arracher ses grands bras tout mous pour qu'il puisse plus nous saisir. Et ensuite, on pourra pendre nos sacs autour de son cou de piaf. Vous le toucherez pas. Où est Harlem? Elle garde l'entrée avec Green Bay. C'est juste une question de temps avant qu'il nous envahisse à nouveau. Ok. Dis-moi, est-ce que ta sœur kiffe un style de mec en particulier? Ah, je le savais, cool. Bon, voilà comment je vois les choses. Je l'emmène dans ce petit resto italien, tu sais, avec des tables à l'extérieur. Oh, merde! Tiens, camoufle-toi. Non, d'accord. Putain de sécurité! Hé, je le connais, lui. C'est bon, il est resté dans le coma pendant un mois, et il a survécu sans bouffer, sans boire et même sans chier, ce qui est carrément hallucinant. Wow, 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 wow! Baissez vos armes! Et ton jouet aussi, le SDF. Carl. Chris. Ouais, c'est pareil. Ils sont ok. Content de te voir, shérif. Je dirais pas la même chose. Oh, hein, monsieur, mets-le sur ma note et je payerai plus tard. Faudrait que quelqu'un ferme la porte avant que ça finisse en partouze géante. Occupe-toi de ça, face de cul. Vous avez pas une bouteille de ce bon vieux Jack? Je viens de tuer ma mère. J'ai besoin d'un truc qui dépouille. C'est sympa ici. Y a pas un magasin de lit dans le coin? Allez, on bouge, Carl. Chris. Ouais. Merci de me le rappeler. Bon, c'est pas un hôtel 4 étoiles, mais ça devrait oh, le faire. Oh, 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 oh. C'est qui celui-là? Roméo. Roméo? Comme Roméo. Il m'a sauvé d'un groupe de zombies pendant que toi, tu tirais sur des vitres. C'est quoi son problème? C'est un trou du cul. Il est spécial, il a du mal à parler, il est émotionnellement très affecté. Et il est super sexy. On dirait E.T. mort. C'est un héros. Et il reste avec nous. On n'a pas assez de place, notre camp est pas assez grand. Je partagerai mon sac de couchage avec lui, c'est pas un problème. Darnell, je te vois. Vous connaissiez avant le début des événements? C'est le destin qui nous a rassemblés. Et par le destin, je veux dire que j'étais allé dans une station-service chercher un bouquin de cul. Un bouquin sur la culture maya, quand Suzy la mauvaise gâchette a failli m'exploser la tête, parce qu'elle m'avait pris pour un putain de zombie. Heureusement pour moi, il doit tirer aussi bien qu'Helen Keller, qui en plus d'être aveugle, était une femme. J'ai eu les boules pour lui et je me suis dit qu'il avait besoin de protection. C'est sûr qu'autrement il serait mort? Et tu les as connus comment, les filles et Mister Fléchette? Ah, oh, ces petites putes. Dang. Tu sais, t'es pas obligé de faire les effets sonores. C'est plus facile comme ça. Non, non. T'as autant de dextérité que si tu joues avec des moves, t'es désespérant. Bang. Flingue, clé, et on discute pas. Tiens, mais j'ai pas de clé. Les serviettes hygiéniques sont dans la salle de bain avec le PQ, il doit y avoir des chips ici, et juste une question. Est-ce que je peux garder ma crème hydratante? Pauvre petite chuchote. Si ça peut te faire plaisir, petite pute. Ah, oh, merci. Oh, tu fais chier. Désolé, mec. Tu vas me faire perdre mes cheveux, toi. Et Darnell était enfermé ici quand on est arrivé. T'as trouvé ton bouquin de cul? Je le cherche encore, mais j'ai passé une nuit romantique avec un catalogue de fringues spécial 3ème âge. Deux fois. Si tu trouves un chouette bouquin, tu me le dis. J'ai les boules qui pèsent 3 tonnes. Et les seuls nichons pas morts que j'ai vus depuis un mois, c'était ceux de ma mère. Ça marche, petit. Mais il y avait rien à redire sur les nichons de ta mère, ok? Brooklyn et moi, on a une relation au 5ème degré. Ce qui veut dire qu'elle me repousse parce qu'elle m'aime.
Harlem pense que je devrais y aller. Enfin, je crois qu'elle le pense. Elle parle pas, un peu comme toi. Brooklyn m'a dit que t'étais... spécial. C'est ça, en gros. C'est vraiment incroyable. Tu sais, j'admire beaucoup ton courage et ta volonté de survivre malgré tout... ton handicap. Le shérif et moi, on a parlé. On se casse de là. Attendez! Comment ça? Je peux savoir qui va commander après? Mon instinct me pousserait à dire Brooklyn, seulement je sais pas trop si... T'as mal compris. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on va tous bouger d'ici. Tout le monde. Et pour ce qui est de ton instinct, tu peux l'oublier, on refile jamais le commandement à une bonne femme. Tu peux me rappeler qui est venu vous braquer dans votre petite cachette? Je suis pas sûr que ce soit aussi insultant que tu le penses. Hey! On n'est pas en démocratie. La décision a été prise. On bouge à la ferme. Et lequel de vous deux est le dictateur? Moi. Je crois que c'est ce qu'on appelle une diarchie. Oh, j'ai les orteils en acier. Emballez vos affaires. Rassemblez vos affaires. On bouge de là dans une heure, ok? Ils ont plutôt 50 minutes. Dans 45 minutes, on est parti. Changement de programme, 30 minutes. Bon, on se casse tout de suite. On devrait être parti depuis 5 minutes. Je passe devant. C'est moi qui connais le mieux les petites routes. Mais moi, j'ai une plus grosse bagnole. Ok, on fait comme j'ai dit. Fermez vos gueules, tous les deux. Merde, faites gaffe! Arrêtez, on n'est pas les zombies! On participe juste à la marche des morts vivants. On est les Azosp. Zazosp? Azosp. C'est quoi? Ça veut dire amis des zombies et autres spectres. C'est un peu comme jouer aux juifs pendant l'Holocauste. On veut juste essayer de savoir comment ils vivent. Vous voulez pas discuter de ça ailleurs? Allez, on bouge de là! Allez, mène-toi. Active! Soyez prudent! Merci, t'inquiète pas trop pour ça. C'est bon, Jean, tu peux te relever. Vous avez entendu parler de ce mec, le super survivant? Le super survivant? D'après la rumeur, ce mec se promène dans les rues pour dessouder du zombie. Tu veux dire comme les plombiers? Non, pas comme les plombiers, dessouder, comme la mafia. Le monde n'a jamais eu autant besoin d'un mec comme lui. D'où tu les tiens, toutes tes rumeurs? Tu passes la totalité de ton temps avec nous. Écoute-moi, je crois pas avoir à me justifier auprès de toi. D'autant plus que celui qui me rapporte ces rumeurs, c'est toi. Je te conseille d'y réfléchir un peu face de grain de riz soufflé. Quoi? Tu sais, Green Bay, j'ai pas trop compris ton délire de vouloir absolument t'asseoir à l'arrière et entre eux, parce que ça doit bien emmerder Roméo. Et en plus, ça te fait passer pour un con aux yeux de Brooklyn. T'as tout faux, là. Roméo est cool, pas vrai, mec? Je crois. Ouais. L'homme qui parle peu. Tu devrais suivre son exemple, ma poule. C'est pas avec tes paroles que tu vas mettre ton Mont Blanc dans sa Moleskine. Moleskine. Ta saucisse dans son pain. Ton aiguille dans mon coussin. Il a chié dans son froc. C'est toi, non? C'était quand ton dernier bain? Hein? Ça remonte à avant le débarquement des zombies? Son flingue dans mon holster. Ta plume dans son encrier. Ton pied dans ma chaussette. Vous savez quelle est la sixième arme la plus mortelle? C'est l'arbalète. Et la cinquième, tu sais ce que c'est? La petite cuillère. Tu me fais flipper. Tu veux pas regarder de l'autre côté? Putain, merde! Je crois qu'ils viennent de niquer un zombie. Niquer un zombie? Je vais vous raconter comment j'ai tué mon premier zombie. Alors, j'étais au bowling. C'est comme ça que j'en ai tué, hein. Et toi, Green Bay? Les freins. Où tu veux en venir? Mets ton pied sur le frein! Putain, tu peux pas le dire. Mais c'est ce que j'ai fait! Je crois qu'on y est. Le havre de paix. Darnell, baisse ton arme. Écoutez, on ne sait pas qui sont ces gens. Même s'ils ont l'air accueillants, nous ignorons toutes leurs véritables intentions. Aujourd'hui, le monde n'est plus le même. On ne sait pas ce qu'ils font pour survivre ou ce qu'ils sont devenus. Alors soyons sur nos gardes. Tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais t'as rien dit. Ils sont peut-être cannibales. Ils rassemblent peut-être plein de zombies dans une grange pour monter une secte. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est peut-être des serial killers qui utilisent la zombie apocalypse comme couverture pour pouvoir tuer tous ceux qui se pointent ici. Non, ça a pas de sens. C'est déjà un immense carnage. Pourquoi devenir serial killer? C'est peut-être des araignées géantes. Là, j'admets que l'idée des araignées est pas conne. On sait jamais. Ceci étant dit... On sait jamais. Soyons tous sur nos gardes. Mais bienveillants. Soyons vigilants. Bonjour à vous, messieurs, dames. Et bienvenue au ranch du Havre de Paix. Bonjour, monsieur.
Je peux vous assurer qu'on n'est pas venu pour créer des problèmes. Je suis le shérif Lincoln. Oh, très bien. Bonjour, détective. Moi, je m'appelle Abraham. Shérif. Oh, shérif. C'est une sacrée machette, ça, Abraham. Oh, ne faites pas attention à cette vieille Betty. Je la prends pour aller travailler dans la grange. Et j'étais justement en chemin pour y aller quand vous êtes arrivé. Mais vous avez peut-être soif, non? Ma femme vient de faire du jus en poudre. En poudre? Ça va, chérie? Tu veux bien avoir la gentillesse de ramener ton jus en poudre spécial? On a des visiteurs. Moi, je suis plutôt thé glacé, mais bon, allons-y. Allons à la maison. Un vieux cinglé qui donne un nom à sa machette, un jus de fruits spécial, ça va finir en bain de sang, tout ça. On est totalement isolé de tous les dangers de la ville. Intouchable. Y a personne à des kilomètres à la ronde. Je veux savoir comment vous avez fait pour pas être infecté? Ben, on se lave les mains. Mais ça nous a pas empêché d'avoir une maladie dans la famille récemment. Sarah, chérie! Ah, oh, bonjour! Regarde tous les visiteurs que nous avons. Ça va, chérie? Bonjour, et soyez tous les bienvenus. Vous formez une sacrée équipe, dites donc. Ouais, madame. Désolé de nous imposer. Non, ne dites pas de bêtises, vous ne vous imposez pas. Nous accueillons tout le monde à bras ouverts. Je viens de faire du jus en poudre, vous en voulez? Merci. Oh, Green Bay adore ça. Non, non. Il adore tous ces trucs sucrés en poudre. Non, j'aime pas ces trucs chimiques. Tout le monde sait que t'adores ça. Abraham, pose donc cette machette. Ces gens vont nous prendre pour des cinglés. Oh, pardon. Ou encore pire. Vous avez un petit-fils? Ah, oh, Seigneur, non. Je vous parais si vieux que ça, non. Non, c'est notre fille, c'est Isaac. Votre fille? Isaac? Elle a fait ça avant sa maladie, mais ça fait longtemps maintenant. Elle est très talentueuse. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous pour le dîner? Je vais vous faire un bon repas. Ouais. D'accord, ouais. Mais excusez-moi, mais les étrangers ne sont pas autorisés à utiliser cette porte. Passez par l'autre côté. Ah, d'accord. On va tous crever. Alors on doit faire le tour. Oui, on va se retrouver de l'autre côté, c'est plus simple comme ça. Je vais chercher un autre poulet, d'accord? C'est une bonne idée, d'accord. Mange ton cul, Roméo. Seigneur, nous te remercions pour cher Jésus, s'il te plaît, fais en sorte que Père Abraham ne remarque pas mes doigts cadavériques et qu'il ne réalise pas qu'en fait je suis mort. Et s'il te plaît, fais que je redevienne un humain. Amen. Trouve la paix dans leur voyage. Et aide-nous à trouver une paire de gants pour ce jeune homme. Assis à côté de moi, dont les mains sont aussi gelées que de la glace. Oups. Tu as quelque chose à ajouter, petit? Merci pour le repas. Au nom de Jésus, amen. Bon, allez, bon appétit à tout le monde. Sérieux? Green Bay, à toi l'honneur. Oh, non, non, non. J'insiste pour que vous commenciez. Oh, non, non, non. Ne dis pas de bêtises. Vous êtes nos invités. À vous l'honneur. De toute façon, je pourrais pas savoir si on m'a empoisonné. Je suis déjà mort. Abraham, Sarah, votre fille, Isaac, qu'est-ce qu'elle... Nous préférons ne pas parler de sa maladie. Nous ne voudrions pas que vous attrapiez son virus. Bon, régalez-vous bien et surtout gardez une petite place pour le dessert. Je vous ai fait une tarte, vous m'en direz des nouvelles. Avec mon ingrédient secret. Ça a l'air délicieux. C'est quoi cet ingrédient secret? Je peux pas vous le dire. Autrement, tout le voisinage voudra venir passer sa commande ici. C'est du sucre brun. J'en suis à deux doigts de faire du diabète, moi. J'ai bien peur que certains d'entre vous ne soient obligés de dormir à même le sol. Je crois qu'il n'y a pas assez de lits ou de canapés pour tout le monde. Ne vous en faites pas, Sarah. On a prévu de dormir dehors, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Écoutez, je veux bien la chambre d'amis, si c'est possible. Très bien. J'ai des problèmes de dos. Ou plutôt d'ordre intime. Non. Dormez où vous voulez, c'est pas un problème. N'oublie pas de nettoyer tes cochonneries. Ne t'en fais pas, ces mains-là, des cochonneries, elles en ont vu de toutes les couleurs.
toutes les âmes vivantes, et en particulier Selena Gomez, nous avons abandonné ce centre commercial pour partir à la recherche du ranch du Havre de Paix. J'ai d'ailleurs laissé ma liste de règles de survie. Taré. On est tous d'accord là-dessus. Il est évident qu'ils nous cachent quelque chose. Ouais. Leur fille. Je serais pas surpris qu'on la retrouve enchaînée à son lit en train de baver de la boue. Ce sont vraiment de charmantes personnes. Oui, c'est tout à fait l'impression qu'ils donnent. Il paraît qu'il y aurait d'autres personnes comme eux ici, qui attendent qu'on trouve un remède. Je suis prêt à parier mon arbalète que c'est vrai. Sur ce coup-là, tu prends pas vraiment de risques, mais je veux bien le croire. On peut savoir d'où tu tiens toujours toutes ces rumeurs. Tu sais pas ce que c'est qu'un éclaireur? Ils veulent nous tuer. Je le sens. Il nous faut un plan. J'espère quand même qu'on ne leur a pas fait mauvaise impression. Non. Ton petit cœur d'ange est totalement incapable de laisser une mauvaise impression. Lançons un assaut et neutralisons-les pendant leur sommeil. Relax, gamin. Sérieux, à eux deux, ils ont au moins 200 ans. Tu veux pas qu'on appelle des forces spéciales aussi, ton petit? Celle-là, je la sentais venir. Je crois qu'on devrait attendre demain pour faire quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil ou de la chaleur d'un corps pour partager mon sac de couchage. Ensemi Moll? J'ai Admi Barreau? Je suis vivant? Je prends le premier tour de garde, puisque personne n'a l'air de s'en faire. Près de toi, je suis encore plus gelée. Si ces deux vieux schnocks veulent tenter quelque chose, il y aura au moins quelqu'un de prêt. Je t'aime, mon amour. Oh, moi aussi, je t'aime. Bonne idée, Carl. Je vais veiller un peu avec toi. Chris! Tu peux m'appeler papa, petit. Repose-toi un peu, papa. Ouais. Merci pour l'hypothermie et le jus en poudre empoisonné, Père Abraham. J'ai l'air d'une tarlouse si je me sèche pas bien les cheveux. Tu pues le lilas, ma couille. Ouais, je sais. C'est parce qu'ils en mettent dans leur savon fait maison. Je préfère ça plutôt que sentir l'anus de SDF et dormir dans la merde, mes petites poules. Kate Upton. Je crois qu'un jour, je vais te faire une bonne petite faciale. Y'a quelqu'un? Père Abraham? Madame Sarah? Brooklyn? À l'extérieur de la ville et on nous a dit que votre ferme ou ranch était un havre de paix. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'appelle. Je suis avec tout un groupe qui campe dehors. Tu les as pas vus? Pourtant on peut voir le camp d'assez loin. Je vois très mal la nuit. C'est vrai? Moi aussi. Pourquoi t'es pas avec eux? Parce que j'ai mal au dos. Moi aussi. C'est vrai? Non mais j'hallucine! Tu bandes comme un cochon ou quoi? T'es vachement plus sexy que je pensais. Et ça prouve que je suis vivant. Qu'est-ce que vous faites là? On est là pour te sortir des pattes de cette petite pute de zombie. Chut! Ne prononcez pas ce mot ici! Ouais, c'est pas une pute. Non, pas ce mot, celui avec Z au début. Pourquoi? Mes parents ne sont pas au courant de ce qu'est devenu le monde. Mais comment c'est possible? Ils sortent jamais du ranch. Ils ont pas la télé et ils n'écoutent pas la radio.
Je l'allume juste une fois par jour pour savoir si quelque chose a changé. J'adore cette chanson. Et tu ne leur as rien dit parce que... T'as vu l'âge qu'ils ont? Ils auraient une crise cardiaque s'ils savaient dans quel état est le reste du monde aujourd'hui. Mais toi, t'étais où depuis le début de cet apocalypse? On était persuadés que t'étais une zone... Enfin, une Z. Tes parents ont parlé de ta maladie et... Non, j'ai aucune maladie. On s'est juste un peu pris le chou parce qu'ils m'ont grillé en train de fumer de l'amnésia. Oh. De la marijuana. Super cool. Génial. C'est... Ouais, je le fais tout le temps. Ben moi, j'ai pas trop l'habitude. En fait, j'ai commencé après avoir vu ce que le monde devenait. Je vois ce que tu veux dire, Janice. Joplin, si vous êtes trop jeune pour comprendre, c'était une grosse défoncée. Si t'as besoin d'expliquer, c'est pas drôle. Ouais, t'as raison. Alors tes parents t'ont grillé et depuis ils font tout pour t'éviter? C'est vachement dur. Mes parents sont très vieux jeunes. En restant dans la grange, je les ai pas sur le dos. Vous comptez rester combien de temps ici? On n'a pas vraiment... On pensait plus ou moins que tes parents étaient des tueurs qui cachaient des... Des ondes... Des... Alors... Je suis désolé si je t'ai fait peur. T'as sûrement dû t'imaginer que je devais être un zombie, un violeur ou je sais pas. Je t'ai pris pour le plus horrible des êtres. Okay. Ça veut dire que j'aurais pu te violer. Bon, ferme-la, petit. Non, je plaisantais. Je pourrais jamais. Non, le viol, c'est mal. Je suis pas un violeur. Bon, écoute, je vais... Je suis désolé. Je vais essayer de... Je sais pas comment je vais pouvoir rattraper le coup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je voulais tous vous remercier pour hier soir. Merci à vous de m'avoir crié mon plan. Je suis désolée, princesse. Est-ce que t'as bien fait ta prière? Ouais, comme toujours. Je suppose que t'es pas du genre à expliquer ton attitude envers la vie et ouais. Tout le reste. Tu veux? Ton vieux sachet de thé? Oh non, non. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour, Abraham. Oh, je vois qu'il est toujours avec son jouet. Voilà ce qui s'annonce comme étant certainement une merveilleuse journée. Une autre bénédiction de notre Seigneur. Nous aimerions vous présenter notre fille Isaac. Elle va beaucoup mieux et souhaitait vous rencontrer. Salut tout le monde. Joli camp. Salut. Je suis absolument ravie de cette toute première rencontre. Vous êtes les bienvenus pour rester aussi longtemps que vous le voudrez. Mais si jamais c'est le cas, alors je vous demanderai de bien vouloir nous donner un coup de main pour tout ce qu'il y a à faire ici. Mon pauvre dos commence à sentir le poids de son âge et Isaac étant une femme, elle est assez limitée dans l'aide qu'elle peut m'apporter. C'est vrai. Ma place est à la cuisine. Nous serons plus que ravis de vous aider, Abraham. Il est normal que nous gagnions notre pitance. Pour l'instant, nous aurions surtout besoin de votre aide pour semer de l'avoine et ramasser un peu de bois de chauffage. Vous avez de la chance, parce que je suis très fort pour répandre ma propre semence. Oh, c'est super. Vous le voulez? J'ai toujours aimé le côté symbolique de la chose. Et là, au moins, on n'a pas à fuir des monstres assoiffés de cervelle. On peut pas être assoiffé de cervelle. Ça se voit pas, la cervelle, crétin. T'es pas obligé de la graisser, Brooke. Je suis sûre qu'on peut tirer du jus d'un bon gros cerveau bien mûr. Tu ignores clairement son énorme capacité à se comporter comme une vraie gonzesse. Je le trouve bien assez viril pour moi. Il répand sa semence comme un vrai pro. Alors prépare-toi à une énorme déception quand il faudra qu'il tire à temps et dans la bonne direction. Je te trouve vachement grincheuse aujourd'hui, Brooklyn. T'es stressée? T'as besoin de te détendre? Pas si y a le moindre rapport avec toi. Je pense pouvoir t'aider. Je connais un endroit où tu devrais pouvoir te détendre. J'ai rien contre. Roméo? Je suis super stressé. Quoi que ce soit, je suis partant. Bienvenue dans ma salle de décontraction. Suivez-moi. Vraiment ce que j'espérais. Je suis sur le cul. Respect, la fermière. En fait, je préfère les en fait. Je rigole. Ouais. J'ai toujours préféré ce genre de drogue pour enlever le stress. Je suis comme ça. C'est mon truc, la weed. C'est mon truc. Je suis comme ça. C'est moi. Ah ouais. Y'a quoi là-dedans? C'est mon mélange spécial. Je l'appelle le H des morts vivants. Quelle imagination! Nantes
j'avais un cerveau en état de marche, je suis sûr que ça serait terrible. Attends, je vais t'aider. Je devrais t'appeler le Bank James. Que personne ne me touche me sent un peu bizarre. Tu me garantis que personne n'en est mort de ton mélange? Qu'est-ce que tu fous? Il va pas te manger, Spong. Tu vas essayer une petite soufflette. Oh putain! C'était pas une bonne idée. Oh putain. Je me sens... Tu sais, j'ai... Ouais. C'est drôle, on dirait qu'il y a tout qui... On dirait qu'il y a tout qui tourne autour de moi. Ça tourne? Ouais. Ouais, ça tourne et j'ai l'impression que j'ai le cerveau comme un milkshake et qu'on touille dedans. Comme un milkshake, ouais. Un milkshake? Oh putain, je te raconte pas comment j'ai envie d'un milkshake là tout de suite. J'ai l'impression d'être dans une combinaison géante de sudation. No foam in the cup, let's get fucked up. No foam in the cup, let's get fucked up. No foam in the cup, let's get fucked up. Ce bruit était vraiment trop... Oh. On aurait dit des anges en train d'applaudir. Les sons bizarres me rendent heureux. Buzzed. The fifth had me wobbling. Almost wrecked, let's call the cops. No foam in the cup, let's get fucked up. No foam in the cup, let's get fucked up. No foam in the cup, let's get fucked up. Get fucked up. Je savais pas qu'on pouvait avoir des alus avec un bong. Ça fait des semaines que j'avais pas eu les idées aussi claires. S'il y a un truc que j'aime pas, c'est les éléphants roses. Je déteste les éléphants roses. Où est Green Bay? Vécu grâce aux stéroïdes. Qu'est-ce que c'était? C'est ce qu'on appelle un feu d'artifice, mon blanc. Ok, ça venait de la grange. Suivez-moi. Que je suis amoureux de toi. C'était vraiment cool, Greenman. Ah, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je suis comme ça. C'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tiré? Tu t'es fait mordre? Allez, réponds. Hey, cool. On est juste... Stone. Hey, y en a marre de la violence. Chris,
La mort de Mandela aurait servi à rien. Et Tupac et Biggie, que dalle. On peut pas essayer de trouver une solution pacifique. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait, nom d'une pipe? Vous savez pas qu'on est en période de restriction d'eau et qu'il est totalement interdit de faire des feux? Faut pas rigoler avec cette sécheresse. Qu'est-ce que tu racontes? La sécheresse, c'était il y a 15 ans. Alors, ça veut dire qu'il est peut-être temps de renouveler notre abonnement au journal, parce que, bon, ben, j'irai en ville demain. Est-ce que tu réalises le boucan que vous avez fait, hein? Ils ont dû l'entendre à des kilomètres. Oh, mais alors, vous avez vu les belles fleurs dans le ciel? Isaac, je peux savoir ce qui t'arrive. Regarde-la, on dirait qu'elle a encore pris de la drogue. Maman, tu dois me croire, on est défoncés. Super, super Stone. Juste pour info, je peux témoigner que c'était génial. Mais les enfants doivent pas y toucher. J'ai une annonce à faire au sujet de nos deux tourtereaux ici présents. Je vois ce qui se passe entre vous deux. Isaac, c'est vraiment très vilain ce que tu fais. Et qui c'est ça? Où? Oh, ben c'est le vieil Hank, notre voisin. Mais il a une drôle de façon de marcher. Ça va, Hank? Non, ça a pas l'air. Je vais le finir. Ah. Je peux savoir pourquoi vous jouez avec cette arme factice? Figurez-vous que ça fait un bout de temps qu'on se pose la question, hein. Hé hey! Tu veux me donner des leçons, toi? Si tu veux, toi et moi, on fait un concours de tir. Je commence. Oh non, on va se faire chier comme quand on regarde des meufs jouer au foot. Oh non! Qu'est-ce que t'as fait, petit? J'ai descendu un zombie qui était sur le point de te zigouiller, espèce de vieux con. Hé, hey, Carl! Un peu de respect. C'est quoi un zombie? Un zombie. Tous les habitants ont été infectés par une sorte de virus très étrange. Les gens se bouffent les uns les autres. Les acouphènes ont complètement disparu. Trop cool, merci Hank. Que notre seigneur veille sur lui. Ah non, c'est pas possible. Moi aussi, ça m'a fait un choc. Je suis sorti du coma il y a seulement quelques jours et j'ai découvert un sacré bordel. Isaac, pourquoi tu ne nous en as pas parlé, ma chérie? Je suis désolée si je vous ai rien dit, c'est que j'avais peur. Elle avait peur que ça soit trop dur. J'arrive pas à croire que tu prennes de la drogue. Oh, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons échoué dans notre rôle de parents. Maman, papa, je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait. Ils ont rien compris du tout à cette histoire d'apocalypse, non? Les vieux sont souvent sourdingues. Les boules pour ta copine. Oh, mais bordel, tu vas arrêter un peu de raconter ces conneries? Je te demande pardon de pas être Rambo. Apparemment, j'étais pas préparé pour l'apocalypse, comme tout le monde l'était visiblement autour de moi. D'accord, je sais pas tirer, je suis désolé. Fous-moi la paix. Ta sœur et toi, vous commencez à me casser les couilles. Et je te ferai dire que si on vous garde, c'est parce que t'es bonne et qu'elle, c'est qu'une gamine. Je suis une ado, espèce de gros naze. Oh, je te jure que si t'ouvres encore ta grande et vilaine gueule, je demande à ce zombie de plonger ses grandes dents dans ton joli petit cou. Non, mais attends, tu viens de parler? Je croyais que t'étais traumatisée et que t'étais muette. Elle parlait pas jusque-là, hein? T'es fâché avec ton jouet à meurtre! Elle parle de façon bizarre! Elle est sourde, espèce de méga trouduc! Vous êtes tous des trouducs! Et surtout les rois des cons! Comment vous avez pu ne pas remarquer qu'elle est sourde, bande de sales égoïstes? Comment elle sait ce qu'on dit, alors? Elle lit sur les lèvres, débile! Hé, on se calme, on se calme! Ouais, bah moi je dis que tout ça, ça fout les jetons, putain! Bon, qu'est-ce qu'on fait, shérif? Dites voir, je croyais que c'était une diarrhée qui chie notre système. Une diarrhée? Tu viens de parler super grossièrement devant une ado. Plus personne t'obéira désormais. Carl, j'ai dit ça suffit! Ça suffit! On est en train de perdre toute humanité! Hein? Essayons de prendre exemple sur notre ami Roméo. Calme. D'accord. Shérif, à partir de maintenant, c'est vous le shérif. Je l'ai toujours été. Je vous le fais pas dire, chef. Shérif. Et maintenant, tu vas enlever ton chapeau de chanteur de country qui gueule des chansons qui me cassent les oreilles de mon Stetson. Revenons à nos moutons. J'ai dit revenons à nos moutons! C'est bon, tout le monde m'écoute? Je vous interdis de regarder. Retournez-vous! Retournez-vous! Il est évident que cet endroit n'est plus sûr maintenant. Pas vrai? Barrière ne va pas tarder à être pétée,
et on va être envahis. Permettez-moi de vous dire qu'il nous reste deux solutions. La première, on peut être malin et vite nous barrer, comme les petites tapettes que nous sommes. Et la deuxième, on peut résister et protéger ces délicieuses personnes âgées et leurs chaudasses de filles de cette infection et de l'invasion inévitable des morts-vivants et de tout le reste. Comme tous ces zombies qu'on a sûrement contribué à amener ici avec toutes nos grosses conneries. Moi, je suis à fond pour la baston, mais on fait pas le poids contre une armée de zombies. Mieux vaut partir. Bon, écoutez les jeunes. C'est bon, on reste. C'est notre faute s'ils en sont là, alors. Je me souviens plus trop. C'est moi qui ai fait le con avec ces feux d'artifice? Ah, mais non. C'était vous, il me semble. Eh, au fait, il est où, notre Roméo? Non, pas toi, Gueulambier. Green Bay, il est où, Green Bay? Il est à la recherche d'une fille. Va le chercher au lieu de glander. Fais quelque chose, bouge-toi. Prends ton temps, petit. Dispersez-vous. Essayez de faire ça bien. Je suis à la recherche de preuves de... Enfin, je sais ce que je fais. Ah ! Oh merde, je sens qu'on va droit à la cata. Tu sais où est la fille? Mais j'en sais rien, je sais pas où elle est. Bien sûr, je sais que les nanas ont besoin d'intimité, mais je voudrais aller la voir à l'intérieur et je peux pas demander à ses parents et ils m'aiment pas. Je sais ce qu'il faut faire. Tu sais quoi, je vais toquer à son carreau. Arrête! T'es con, quoi! C'est quoi ces conneries? Salut, Isaac. Arrête, t'es pas cool. Si tu pètes un carreau, mes parents vont m'engueuler et je suis déjà dans une merde noire. Non, c'était moi. C'est quoi ton nom déjà? Roméo. Romero? Non. Comme Georges? Non. Roméo, comme... Non, tu déconnes? Comme le fils de Bécane? Ouais, on va dire ça. Écoute, déjà, désolé du dérangement, m'en veux pas. Voilà, on risque d'avoir un méga problème d'ici peu. Tu veux parler du trou dans la clôture qui laisse passer les morts-vivants? Je l'ai pas oublié, figure-toi. On va rester pour vous défendre. Ok, mais faites-moi sortir. Ce serait mieux que tu restes à l'intérieur. Tu serais plus en sécurité. Cette salope pourrait passer par la fenêtre, non? Bon, alors, ok, j'arrive. Bizarre. Ouais, grave. Qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Tes amis et toi, vous n'êtes plus les bienvenus dans cette magnifique demeure que mon grand-père a construite de ses mains, à la sueur de son front, et que j'ai entretenue et restaurée pour qu'elle soit la magnifique maison qu'elle est maintenant devenue. Quand tout sera vraiment fini, vous devriez ouvrir une maison d'hôte. Mais en attendant, il y a les zombies qui arrivent. Et ils sont vachement féroces. Vous allez encore pouvoir rester ici, mais il va vous falloir des vivres. On va réparer la clôture, qui a bêtement été endommagée par Hank. On va faire tout ce qu'on peut pour les tenir à distance, mais on a besoin d'Isaac. Comment faut-il que je vous le dise? C'est non, non et non. Vous comprenez le français? Elle a déjà assez de soucis comme ça. Et puis on peut pas dire que vous et vos camarades ayez une bonne influence sur elle. Écoutez, monsieur, il faut réagir, il faut se bouger. Je vous jure que c'est une question de vie ou de mort. Tout ce que je vous demande, c'est 5 minutes. Juste 5 minutes. Ok, 10 minutes et pas une de plus. Ok. Cool, j'en espérais pas tant. 1 minute. C'est quoi le mot de passe, petit? C'est... Le père Abraham avait plusieurs garçons et ces garçons avaient comme père le père Abraham. C'est bon, passe. Isaac ? Isaac, je peux entrer ? Non, je suis complètement à poil, j'ai décidé de devenir naturiste. Oh merde. Je suis trop drôle. Ah, écoute, il faut y aller. Notre père bien-aimé, tout comme tu as su protéger David de Goliath, je te demande de veiller sur nous et de nous aider à trouver le courage de lutter. Si c'est pas trop te demander. Nous allons résister de toutes nos forces. Je te le fais pas dire. Et pour l'amour du ciel, je t'implore d'aider Isaac à combattre son usage irresponsable de marijuana. Merci, Seigneur. Au nom du Seigneur, amen. 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 Bon, c'est pas tout ça, on va aller voir ce qui se passe dans le parc pour commencer. Thank you.
jumelles. Moi, c'est Chris. Génial, ils sont là, on dirait qu'ils nous attendent. Vaut mieux les laisser avancer, ici on est protégé par les arbres. Ou alors on pourrait les charger comme ils font dans les films sur la guerre de sécession. Ils ont des dents, nous des fusils. Et la super arbalète de Darnell. Alors, tu sais pas tirer ? Si, je sais tirer. À chaque fois, tu manques ta cible ? Ouais, on va dire ça comme ça. Ces abrutis de morts-vivants sont plus faciles à buter que tu crois. Comment ça ? Eh ben, pour une raison que j'ignore, leurs crânes sont super tendres, ils sont comme ceux des bébés tout mous. Tu vois ce que je veux dire ? Remarque, c'est pas pour me vanter, mais je dois reconnaître que je sais y faire avec les trucs mous. Je sais leur donner de la vigueur. Je te le confirme. Faut les attirer. Hey ! Hey, par ici, les mecs ! Venez croquer dans mon cou ! Hey ! Vous avez pas un petit creux ? Ouais, ça marche. Alors les gars, vous êtes prêts? Non, j'ai plus de balles. Bon, alors, rechargez, rechargez. Oh, merde. Ah, c'est bon. À l'assaut. Ouais. Wouhou. Tu devrais essayer le monologue intérieur. Ça me ferait plaisir d'entendre ta voix. Tais-toi! Chut! Tu vas les attirer en criant. Ils risquent de sentir l'odeur de ton ragoût et ça va leur donner, comment on dit déjà, les faim. Ça va leur donner faim. Emmène maman dans mon ancienne chambre. Hors de question que je te laisse ici. C'est pas vrai, emmène-la dans mon ancienne chambre. Surveille ton langage, vilaine fille. Hey, on va se les faire, ces sales trous du cul. Ouais, et tu vas y arriver sans ton fusil. Ils sont mous du crâne. Tendres comme la rosée. T'es trop forte. Attention. Ouais. J'ai une idée. Les feux de l'amour. Quoi? C'est une série qui me donne envie de gerber. Je me suis dit que ça le ferait. Allez bien. Connard ! Ouais ! Attends. Hé, hey, beau gosse, si je te dis la nuit des morts vivants, Inception et Alien, ça te parle ? T'as été génial. Isaac ! Viens voir ton ancienne chambre qui est devenue la chambre d'amis. Dépêche-toi. Je parie qu'il a trouvé mon vieux bong. Ou mes bouquins de cul. Vite! Voici la grande nouvelle. Une équipe de scientifiques vient d'annoncer qu'elle a découvert l'antidote à la maladie. La vache! La radio est revenue. Et qu'elle l'a mise dans les réserves d'eau du pays. Il faut l'avouer, c'est une idée absolument géniale. Bizarre qu'on n'y ait pas pensé avant. Enfin bref, le président demande à tous ses concitoyens d'ouvrir leur robinet. Malheureusement, on n'a toujours pas trouvé de remède contre Miley Cyrus. Mais... Hé! Hé! Maniez-vous, allez! Les rumeurs étaient vraies. Pourquoi tu l'as tué alors, hein? Ah, zut. Ah, ah, je suis désolé. Je voulais juste recharger. Elle était déjà chargée. Bah ouais, maintenant ça me paraît évident. Ouais. Attendez, je vais chercher mes affaires. Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais prendre mes flèches. Mais t'en as plein dans le dos, connard. Pour être un peu plus respectueux, je viens de tuer un homme.
Sous devant! Mon Dieu! Carl, à toi de tirer si tu le sens, parce que là, moi, je le sens pas du tout. Mais bordel, je m'appelle Chris. Au secours! Amputez-moi! Waouh! C'était chaud! Revenez vite! Revenez à la maison! Vite, revenez! Faut pas me le dire deux fois! Allez-y! Ah, bah c'est pas trop tôt. Ça devait arriver. Je me demande ce qu'elle dit de ça, l'autre en bas. Je veux vivre tout le reste de ma vie avec toi. J'ai pas bien entendu. Notre amour nous réunira pour l'éternité. Merde, 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 merde. Comment je vais m'en tirer? Mords-moi. Fort. Si elle insiste. Et voilà le travail. Maintenant, on va pouvoir être morts tous les deux. Je vais aller le dire à Harlem. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui est arrivé aux plumes? Je t'expliquerai. C'était des zombies. Hé, vous savez quoi? Quoi? Je suis en couple avec Roméo. Tu parles d'une nouvelle? Rien à battre. Dites, ils ont l'antidote. Pardon, c'est pas des conneries. Ils viennent d'annoncer qu'ils l'ont mise dans les réserves d'eau du pays. Ça guérit les zombies dès qu'ils en boivent. Ça soigne les morsures, ça cicatrise les blessures qu'on peut avoir. Et trop de balles aussi? Quoi? Sérieux? Et moi qui pensais que seul l'amour guérissait tout. Apparemment, le traitement est très douloureux, tout mais... ce qui va dans le trou de balle, c'est douloureux. En tout cas, tu redeviens comme avant, il paraît, alors on va quand même pas se plaindre, non? C'est trop bien. Donc, il faut juste attendre que les zombies arrivent jusqu'ici et on les arrose. Je vais faire un essai, voir si ça marche. Oh la vache, ça schlingue! Oh, génial, tu t'es mordu toi-même! Je trouve ça trop sexy comme tatouage. Quoi? C'est tout ce que t'as trouvé comme baratin? Waouh, t'es hyper courageux. Un tatouage, mon cul, t'as été mordu. Ça remonte à 3 semaines. Mais... alors, depuis tout ce temps, tu l'avais pas dit, mais t'es un zombie! T'étais sourde et tu l'avais pas dit? Tu parles d'un truc? Mais toi aussi! Oh. Non, moi, ça vient juste d'arriver. Quelqu'un d'autre? Nom de Dieu, ça fait hyper mal! Oh, punaise, je voudrais redevenir un zombie, moi! Ils ont les mêmes morsures, c'est trop chaud. J'arrive pas à croire que j'ai pas vu que t'étais un zombie. Je pense que j'ai été aveuglée parce que t'es hyper sexy comme mec. Toi aussi, t'es trop bonne. Ça fait longtemps que je voulais te le dire. T'es super excitante, mais t'es surtout bandante. V'là de la compagnie. On arrose! À côté de toi, j'ai rarement vu une paire de jambes aussi belles. Salut. Je te le jure, Green Bay, si tu m'empêches de baiser ce soir, je te... Merci, mon pote. C'est Penthouse. Playboy. New look. Le calendrier Pirelli, la redoute, quoi. T'as vraiment les crocs? Non, c'est pas ça. Oh, sans déconner. Ouais, les vieux avaient un stock de tracts de la campagne de Reagan dans leur chambre. Ça fait rêver. Je t'ai aussi glissé une pilule contraceptive d'Isaac et de la crème antifongique pour les MST que les zombies ont pu lui refiler. Ainsi qu'une bible de poche pour le jour où tu réaliseras à quel point tu as besoin de Jésus. J'ai aussi rajouté un catalogue de sous-vêtements féminins des années 70 dans la salle de bain au cas où t'aurais plus que ça. J'espère que t'as pas oublié de mettre des préservatifs. Évidemment que non. Je t'aime, mon frère.
Hey, tu veux pas me montrer où t'as été mordu? Tiens, je crois que je suis mariée. La seule fois le bout de phrase qui commence par « je crois que je suis fait peur », c'est quand il est suivi du mot « enceinte ». On va aller voir si t'as le sang chaud. N'aie pas peur de faire le premier pas, Fiston. Même si je sais que tu en avances sur ton âge, tu restes quand même un enfant. Alors vas-y, embrasse-la. Je t'aime, Chris. Je t'aime aussi, papa. Et excuse-moi de t'avoir presque tué et... C'est pas grave. Et tu es maman? Non, c'est plus qu'une pute. Je vais avoir des embrouilles? Ouais, c'est possible. C'est sûr, même. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Te voilà, ma chérie. Oh, viens dans mes bras. Je suis contente que tu sois là. Oh, viens là, ma chérie. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Allons dans ma chambre. Tu veux aller dans la grange? Non, t'es pas au courant. Je retourne dans la maison avec mes parents. C'est les boules, mais j'y peux rien. Écoute, t'as qu'à te dire que c'est la faute de la crise. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Oui. Faut que je t'enlève ça. Ils sont pleins de sang et tout poisseux. Embrasse-moi. Oh, tu sens trop bon. Oui, toi aussi. J'ai trop envie. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! Attends! Quoi? Non, quoi? J'espère que vous n'avez rien de prévu pour la fête nationale! Parce que la NASA vient d'annoncer qu'un astéroïde de la taille du Texas se dirigeait droit sur la Terre! La fin du monde fait reparler d'elle! Merde! La bonne nouvelle, c'est qu'en attendant que ça arrive, on va passer que de la musique sans aucune pub! Et maintenant, Justin Bieber va tout exploser! Non, pas du tout! Et je te signale que... Heureusement pour moi, il doit tirer aussi bien qu'Helen Keller. Qui en plus d'être une femme... Non. Et qui en plus d'être aveugle, pardon. J'ai commencé à rassembler tous les zombies. Désolé, t'es chiant. Ok, on reprend. Désolé. Tes parents ont découvert? Ouais. Alors, tes parents ont découvert. Hé! Attendez, Emily est dans le champ. Reste là, Emily. Tu veux bien sortir du champ? Ma place est à la cuisine. On est plus que ravis de pouvoir vous aider. Oh, merde. C'est pas vrai. Pourquoi il n'y a pas de glace? Je suis de gauche. Non, j'appuie ici. Et Francis. Ah, merde. Écoute, j'avais l'intention de balancer cette saloperie. Mais... T'as voulu jouer au plus malin, mais... Oh merde. Coupé. Shérif. Shérif. Je savais pas que les zombies faisaient du vélo. Et... Mais au fait, c'était la faute de Hank. Vous habitez à côté d'un aéroport? Si seulement on pouvait arrêter ce bordel. Wow. Attendez. Vous voyez cet avion? C'est peut-être une attaque aérienne de zombies. Hey, j'ai tué un zombie qui était sur le point de... J'ai tué un bonzi qui était sur le point de... J'aimerais pas être ta copine. Il y a encore un avion, coupé. On est en train de perdre toute humanité. Prenons exemple... Ok, le chien. Prenons exemple sur Roméo. Faut faire attention, petit, parce qu'ils ont sûrement dû mentir. Là, ils ont dû sentir l'odeur de ce truc et ça va certainement leur donner. Bon, allez, on leur fait. C'est pas grave. Vous aimez les tartes? J'ai rangé du bordel une fois. Je vais te foutre la tronche en bordel, moi. Elle le nettoiera. Je suis très douée pour ça. Je crois qu'on aurait dû aller à l'aéroport au lieu de cette ferme. C'est un... Il y a tout le temps des avions qui décollent.